Vous pouvez m'emmener à l'église dans le centre? Ok. Vous n'allez pas un peu vite? Ça va, je sais ce que je fais, ok? Hé! Levez le pied! Je fais ce que je peux pour vous amener à temps. Ok, laissez-moi là, devant les marches. Merci, voilà pour vous. Vous êtes libre? Je dois aller à l'hôpital de Nouah. C'est parti. Vous roulez trop vite! Pas de problème, tout va bien. Ah! Mais pourquoi vous conduisez comme ça? Désolé. On y est, laissez-moi devant les marches. Merci, voilà pour vous. Ah, vous tombez bien. Il faut que j'aille au Music Hall sur Central Island. Passez par le pont Giuliano, on gagnera du temps. Comme vous voudrez. Mais faites attention! Je m'excuse.
voulais pas lever un peu le pied? Pas de problème, tout va bien. Ralentissez! Je fais ce que je peux pour vous amener à temps. Ralentissez un peu, vous conduisez comme un fou! Ça va, je sais ce que je fais, ok? Voici ce que je vous dois. Au revoir. Bonjour, vous pouvez m'emmener au pont Pays-Bar, au Bokken? Bien sûr, montez. Vous savez pas conduire ? Désolé. Vous voulez nous tuer? Ah, mais pourquoi vous conduisez comme ça? Je m'excuse. Allez, moi vite! Ça va, je sais ce que je fais, ok? Vous ne croyez pas que vous roulez trop vite? Je fais ce que je peux pour vous amener à temps. Vous voulez nous tuer ? Je m'excuse. Tenez, gardez la monnaie. Je dois aller au parking du grand magasin dans Little Italy. Vous pouvez m'emmener ? Pas de problème, montez. Prenez le pont Giuliano et continuez par le tunnel. C'est le plus court chemin. Je vous ai dit par le pont Giuliano. Vous savez pas lequel c'est ?
ralentissez un peu. Vous n'avez pas peur, hein? Vous ne croyez pas que vous allez un peu vite? Pas de problème, tout va bien. Vous ne voulez pas ralentir un peu? Je fais ce que je peux pour vous amener à temps. Ralentissez un peu! Pas de problème, tout va bien. Vous ne croyez pas que vous allez un peu vite? Ça va, je sais ce que je fais, ok? Ralentissez un peu! Vous n'avez pas peur, hein? Vous ne croyez pas que vous allez un peu vite? Pas de problème, tout va bien. Nous y voilà. Déposez-moi devant le parking. Voilà qui devrait suffire. Gardez la monnaie. Bon, c'est la pause café. J'ai bu un café, j'ai attendu dans le taco, en attendant d'essayer de me dégoter un nouveau client. J'étais pas loin du bar de Salieri. Nom de Dieu ! On t'a chopé en fluant. Monsieur Morello est pas du tout content de toi. On va être obligé de t'apprendre la chanson. Tu t'en souviendras pour la prochaine fois. Ces salopards avaient noté le numéro de ma plaque. Ils avaient décidé de me coller au train. Lou va t'arranger un peu la façade. Achève-le, perds pas de temps avec lui. C'était clair qu'il fallait que je me sorte de là en vitesse. Je pouvais pas me charger de ce mec tout seul. Je me suis dit que le moment était peut-être venu pour Don Salieri de m'exprimer sa gratitude. Son bar était juste en bas de la rue, et c'était ça ou les coups de batte de baseball sur la tête. Et quand je suis allé me plaindre chez eux, c'est pas ces mômes ne font pas. Je dis qu'il devrait être aussi nouveau, mais on doit peut-être lui causer du matériel des fois. Sois gentil. Mais qu'est-ce qu'il fait? On avait rendez-vous à 3h dans la ruelle. Les gars de Salieri m'ont sauvé la mise ce jour-là, mais j'étais vraiment dans un sale pétrin. J'avais payé mes dettes pour les réparations de la caisse, et mon patron voulait pas faire bosser un mec à la colle avec la mafia. C'était pas vraiment un truc à faire. Et après avoir vu les gars de Salieri à l'œuvre, je me suis dit que ça serait pas si mal de bosser pour lui.
Sans compter que j'avais rien à perdre. Morello était à mes trousses et taxi, c'était pas vraiment le meilleur boulot. Sans compter les perspectives que m'offrait le pognon de Salieri. Alors comme je dis toujours, on peut crever jeune, mais blindé.